bravo pour ta motivation. Je vais tout de suite te donner deux astuces très simples pour améliorer ce morceau. Alors déjà, tu vas travailler un tout petit peu ta main droite toute seule. Tu vas essayer de ne pas accélérer lorsque tu fais tes doubles croches. Du coup, on entend un petit peu ça. Et tu vois que, en gros, tu te rues sur la note longue. Et du coup, c'est pas assez distinct, c'est pas assez clair. Essaye au contraire de penser comme si tu ralentissais quand tu fais les quatre doubles. Et donc, bosse ta main droite toute seule comme ça, en essayant d'écouter au maximum toutes les notes qui vont venir avant la note longue. Le danger, c'est vraiment d'entendre que les notes longues, et du coup, on va entendre une bouillie, et après, on entend la note longue. Et donc ça, c'est ce qu'on veut pas, en fait. Ok, alors maintenant que tu arrives à faire ta main droite parfaitement comme un professionnel, donc avec un beau crescendo et sans accélérer, on va avoir une deuxième astuce. On va travailler ton équilibre avec la main gauche. Puisque ce que tu fais pour l'instant, c'est que tu joues les deux au même niveau. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire moins fort la gauche. Donc travaille un petit peu ta gauche toute seule. Staccato très léger. Le but, c'est que la main gauche ne vienne pas alourdir la main droite et la mélodie se distingue bien de l'accompagnement.